Ici, nous sommes au musée Mistral à Mayanne, qui est la demeure de Frédéric Mistral, dans laquelle il a vécu avec son épouse. Voulin que nostri drôle continue de parler la langue de la terre, la langue où tu es son maître, la langue où tu es son fier, où tu es son fort, où tu es son libre. Frédéric Mistral, à cette époque-là, où il a vu un peu ce mépris de la langue, or c'est une langue absolument merveilleuse, et donc il s'est dit qu'il allait créer un dictionnaire. Donc voilà un extrait de ce fameux trésor du Philibrige, aujourd'hui qui est vraiment la base de l'enseignement du provençal dans les écoles, les collèges et les lycées. Si on aime les provençaux, si on aime la langue provençale, il faut venir à Terre de Provence parce qu'on y entend quoi? On y entend la langue provençale, on y entend les cigales, on entend encore les chants et les vers de Mistral et y a nos coutumes, nos merveilleuses coutumes qu'il n'y a pas ailleurs. C'est ici, le cœur de la Provence.